Avant de commencer la vidéo, nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications. Salut à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo qui va ravir les parents grâce au Google Home. Vous aimez votre Google Home et votre Google Home vous aime et il vous le rend bien. Avec cette petite application, vous allez pouvoir créer, vous créer ou créer des histoires pour vos enfants ou pour vous-même. Et c'est Google qui va faire tout ce mixage. Grâce à cette toute nouvelle application qui vient tout juste de sortir hier soir, je vous en fais profiter sur ma chaîne. Surtout, pensez bien à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Et on va tout de suite rentrer avec notre Google dans le monde des histoires. Pensez bien à partager cette vidéo. C'est parti, donc on va demander à notre Google et cette fois-ci, il faudra dire le mot-clé « parler avec ». Parler avec Histoire du soir. Très bien, je vous mets en relation avec Histoire du soir. Bonjour et bienvenue dans Histoire du soir. Nous allons écrire ensemble l'histoire en répondant à des questions. Tu es prêt à commencer ? Commençons avec un personnage. Peux-tu me dire qui est le personnage principal de ton histoire ? Isabelle. Où se passe ton histoire ? Dans la forêt. Peux-tu me donner le nom d'un autre personnage de ton histoire ? Jumper. Allez, j'ai encore besoin d'un personnage. Qui est-ce ? Kalinou. Peux-tu me donner le nom d'un objet ? Lampe. Peux-tu me donner le nom d'un trésor ? Le trésor d'Aladin. Qui est le méchant de ton histoire ? Barbe rouge. Où habite le méchant de l'histoire ? Dans la forêt. Il y a bien longtemps, dans la forêt, Isabelle s'ennuyait et voulait partir à l'aventure. Un beau matin, Jumper frappa à sa porte et lui dit que son trésor le plus précieux, le trésor d'Aladin, avait été dérobé par Barbe rouge. Aussitôt, Isabelle prit Jumper par la main et partit en voiture dans la forêt où habitait Barbe Rouge. Arrivés sur place, ils rencontrèrent Kalinou qui leur donna l'ampe pour vaincre Barbe Rouge. Après une terrible bataille, Isabelle et Jumper réussirent à vaincre Barbe Rouge et rentrèrent dans la forêt pour y faire une grande fête avec Kalinou. Fin de l'histoire. Veux-tu écrire une autre histoire ? Non. Au revoir. Voilà donc, si vous êtes en manque d'inspiration pour vos enfants, si vous avez envie de les amuser le soir avec une histoire que vous avez construite de vous-même avec quelques mots-clés, eh bien, cette application sur Google Home est pour vous. Il suffit de demander à votre Google de parler avec Histoire d'un soir. Merci à vous d'avoir écouté cette histoire d'un jour et je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo. Pensez donc bien à partager, à liker et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo sur notre Google Home. Salut, ciao ciao.